Alors, ça choisit la map. Et donc, c'est Tipar Gaspar. Et merci pour le beat au passage, Skatey, j'ai pas vu. Ouais, Tease. Tease, pardon. J'avais pas vu. J'ai pas vu le beat. Merci. Ça fait plaisir. Ah bah encore 4 autres. Bah yes, on veut la castagne. Merci encore pour les 4 bits. On veut la castagne. Ça arrive. Voilà, ça y est, ça commence. Probablement le dernier match de ce soir avec un Pingoléon qui aura dominé le bracket. Attention, on n'est pas à l'abri d'une surprise. Surtout qu'il a pris une clinique à la place. Ouf, directement la bombe de pâture dans la gueule. Allez, c'est parti. L'armure qui est du mauvais côté, le bi qui est parti de l'autre côté, on se défend avec le bi neutral, allez, backer, la chope direct, on combine, le nerf, oh c'est bon, le combo est cassé. On a voulu revenir avec un, replacer un petit backer, mais bon, c'est pas rentré. Allez, direct la chope, allez, ça recombine, notamment avec ses fers du côté de Pingoléon. Ah, il va revenir avec le pair, la bombe de peinture lancée dans les airs, on est revenu, ouh, joli. On a pré-shot l'atterrissage. Encore une bombe de peinture qui va être réflectée. Ouh, on a grandé la... Ouh, lolo. Le classique. Il y a des persos qui ont des avantages. Ou non, ça dépend comment tu joues et t'es nul. Non, il existe quand même des match-up avec le cast de Smash. Des persos qui sont plus avantagés parce que bah, voilà, ils couvrent, y a certaines options qui couvrent pas mal. Par exemple, Zelda, elle est très forte face à des persos qui ont tendance à jouer la distance. Parce qu'elle est capable, avec son simple pression d'un B, de pouvoir renvoyer le projectile adverse. Et qui est un perso, du coup, très très distance. Hein. Comme vous voyez, la plupart de ses coups, c'est des SP qui sont assez en distance. Hormis le B qui peut être fait un petit peu au corps à corps pour reprendre son adversaire derrière. Mais voilà, il y a des persos qui sont très forts au corps à corps, qui du coup vont avoir un certain privilège face à des persos à d'autres persos, par exemple, un peu plus en distance, des choses comme ça. Enfin bref, il y a un équilibrage qui est vraiment à comprendre et qui me prendrait 10 plombes pour expliquer. Mais voilà, en gros, il y a des avantages et des désavantages en jouant tel ou tel perso par rapport à d'autres. Allez, la Upsro du côté de Sky Imri qui a presque égalisé. Oh, sur ce pauvre Pingoléon, le multi-jab qui rentre dans la garde. On jette un petit peu de peinture. On recontre un multi-jab, la chope direct suivi du nerf. On s'est directement dégagé du côté Skimmer. Attention à pas prendre ce back air là-dessus. C'est bon. À direct le fer. On a bien cueilli son adversaire avec cette chope. Et le upthrow derrière. On dépose la bombe de peinture. Le back air derrière qui est dégainé très très vite. On contre cette boule de feu qui rentre dans la garde. La bombe de peinture qui touchera pas. Le back air non plus. Le bi non plus, là on se replace, attention à Sky qui est menaçant là-dessus, même s'il est en haut pourcentage sur sa dernière stock. Ça va être compliqué pour lui, mais derrière c'est faisable. Allez, prends... Ouh, joli. On a bien cueilli son adversaire en couvrant l'option sur ce ledge. Et derrière on s'attendait forcément à une roll. Et c'est Pingo qui marque ce premier point avec un jeu très... très intelligent et je trouve qu'il le tient super bien son mini clink. Je sais pas pour vous mais il le manie bien. Alors que c'est bah, il est plutôt main Sora et on va dire second officieux entraîneur Wii Fit. Mais le mini clink franchement il gère, hein. Il gère, il connaît quelques combos de base, il sait lire le jeu de son adversaire, choisir des très bonnes options. On a un Pingo très intelligent. Qui a pas mal de maîtrise sur son perso. Et bah ça se met bien, envie de vous dire. 1-0 pour Pingo sur ce potentiel dernier BO5. Ça rechoisit Inkling, j'ai l'impression. Et toi, tu participes au... Oh non, moi, je suis pas joueur du tout. Moi, si je sais claquer un ou deux combos avec Young Link, bah c'est déjà bien. Il est absolument hors de question que je joue. Puis je commente. Je peux pas jouer, je commente. Ah, moi, je suis plutôt FC retraite. Hein.
Allez, c'est parti. Du coup, on est de retour sur ce même match-up, Inkling face à Zelda. Et direct, la bombe de peinture, hein, ça commence à peu près pareil. Le rouleau qui a touché aussi, ce upper aussi qui touche. Oh là là là, Sky qui est couvert de peinture, attention. On rappelle, plus tu es couvert de peinture face à un Inkling, plus il peut t'éjecter et te faire mal. C'est tendu. Ouais, la bombe de peinture qui a rebondi sur le coin du ledge, par contre, c'est pas... Ah, il est dans la case, papy. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, il a grandi derrière le up smash. Premier stock de prise par Pingoléon. Ouais, nous, c'est la case, papy. Allez, on se dégage un petit peu avec ce B, mais encore une fois... Allez, joli, pas mal du côté de Pingoléon qui a bien contré un petit peu, qui rechoppe derrière et qui va enchaîner. Non, on va se dégager encore avec le B qui est capable de casser les combos. Attention par contre là, Pingo qui va pouvoir peut-être enchaîner le back air. On accueille son adversaire sur sa sortie. Directement le rouleau était dégainé. Comme son adversaire était au sol, il n'a pas été enterré. Et derrière Pingo qui harcèle un petit peu son adversaire dans les airs. On va recharger un petit peu la peinture. La bombe qui est jetée, le back air derrière. Encore une fois la bombe, on couvre, on essaye de couvrir l'option ce coup-ci, on a été un peu plus rapide. Mais derrière le up smash, encore une fois Pingo qui continue de dérouler, on le rappelle. Il déroule, il déroule. Bien joué, voilà le multi-jab qui est lancé, encore une fois. Ouais, on casse très très bien les combos quand même. Allez, malheureusement, chop et direct. Ce B. Encore une fois, ça semble être la seule option efficace hein, du côté de ce pauvre Skymiri qui se fait enterrer malheureusement. Il va se dégager. Allez, derrière, rien d'autre. Il n'y a rien qu'il puisse faire, j'ai l'impression, à part genre spammer le B. Il n'y a rien qui passe. Oh, peut-être avec cette up B. Peut-être avec cette up B, Skymiri qui prend une stock. Après, il est déjà sur sa dernière. Il est au pourcentage. Pingo qui a juste à finir là-dessus. Il va rechoper Backstraw. La bombe de peinture dans les airs et se faire. Qui permet à Pingo de prendre le deuxième point. Très expéditif, Pingoléon, ce soir. Il n'a pas le temps. À mon avis, il a peut-être un rencard à 22h30. Et du coup, il est là, quoi. Il est là, il déroule son jeu. Couvre bien les options. On l'a vu. 2-0. Ça reprend encore hein, le Inkling. Pingoléon qui va faire le doublé, un peu comme son mate hein, de la Netra Apollo qui l'a fait sur le Netra Arena 2 et 3, si je ne m'abuse. Qui a pris le doublé aussi. Double vainqueur du Netra Arena, Pingoléon. Potentiellement. En tout cas, s'il gagne la dernière game, ce sera fait. Ah, ça a sorti un Kirby. Pingo, tu m'énerves. Sache-le. Moi, j'étais bien, mon setup et tout, normal. Et lui, il me sort quoi? Bon, je change de perso. Pingo, il est énervant. Pingo, t'es énervant. Voilà, je tenais à te le dire. Tu vois, Pingo, c'est le joueur qui me dégoûte ce jeu comme ça. Alors, ce Sky, il a l'air pas du tout mauvais. Sky n'est pas mauvais en vrai. Hein. Skymiri, il est pas mauvais. C'est juste que Pingo, il est trop fort. Et encore, là, c'est à peine. C'est un perso. Genre. Enfin, son. D'habitude, en fait, il main un autre perso. Et son secondaire, c'est encore un autre perso. C'est même pas un perso secondaire. C'est même pas un main qu'il utilise. C'est. Mais il a l'air d'être vraiment, vraiment ouf. Hein. Son Inkling a l'air vraiment d'être bah, au point, à pas se mentir. Et derrière, bah, ça couvre bien les options et bah, ça sait quoi faire. Ça sait quoi faire et ça fait bien. Bon, Pingo qui prend le Kirby du coup. Est-ce qu'il va rendre hommage à son mate Babou qui n'a pas pu participer à ce tournoi parce qu'il était à 20h30 exceptionnellement? Ah, c'est le Babou bleu ciel. C'est le Kirby bleu ciel. Oh. Trop mims. Le Kirby bleu ciel qui est dégagé, dégainé. Du côté de Pingoléon.
qui va prendre les premiers dégâts, mais Derek qui va essayer de revenir. Non, c'est bon, on s'est dégagé avec le B, on s'est encore dégagé avec le B. Allez, le nerf qui touche. Encore un nerf, on se dégage avec le B. La dash attack dans le dos. On s'éloigne de la boule de feu. Ouais, on essaie de choper quelque chose. Le multi-jab qui est contré, mais le B qui passe. Alors peut-être que du coup Zelda là, a peut-être un peu plus de répondant, je pense, sur ce truc là. Le back-air, attention, le fer qui touche. Et le smash derrière, première stock de prise par Pingoléon qui a couvert les options. Ah, on a tenté d'avaler la Zelda. Back-air encore une fois. Ah, on s'est pris la boule de feu dans le cul. Non, non, je veux pas être touché. Ouh, le bi qui a contré le bi de son adversaire. On s'est pris la boule de feu dans le derrière. C'était marrant. Ah, ça y est, il a avalé Zelda. Il va pouvoir profiter de ce dé. Il va pouvoir profiter de ce dé. Ah, pour le moment, il en profite pas. Hein. Il enchaîne. Voilà. Ouf, ah, ouais, l'épée qui touche à travers le ledge. Hein, forcément, sur quelques stages. On a renvoyé. Joli reflect, encore une fois. Du côté de Pingoléon, on contre ce smash. Et derrière, on se dégage. Et c'est Pingo qui va mettre la pression, notamment avec ce back air. Il va balader à droite, à gauche. Voilà, avec ce B. Très, très bien posé. La chop, la up throw, ça termine la stock. Ça termine la stock. Petite particularité du coup du Kirby, quand il avale son adversaire, il est capable d'utiliser donc le coup en B. Donc le B neutral, on appelle ça, de son adversaire. C'est pour ça qu'il est en mode, voilà, avec le cristaux qui tourne autour, comme la Zelda. Stock prise par Skymri pendant qu'on discutait. Il retente d'avaler son adversaire. Donc il esquive un petit peu, il se replace sur le ledge, bien vu, avec ses tilts. Il a tenté encore une fois, hein, d'avaler Zelda. On va tranquillement tanker le gardien avec la garde. Et encore une fois, ah, il a avalé, ça y est, il a réussi à faire ce qu'il voulait faire. Voilà, forcément on a lu ce B. On cancel celui-là, très bien joué. On touche pas. Par contre ça touche. Petit fer qui touche, la dash attack qui rentre bien avant même. Le B. Ouais, ok. La chope. Bien lu du côté de Pingoléon. Il a projeté son adversaire devant. Les chopes de Kirby sont pas forcément très efficaces à part la up throw. Là, on se dégage avec le B. Et on a reflect le gardien. Oh lolo 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 lolo. Et ben, Pingoléon qui va dominer ce bracket ce soir. Je crois qu'il a pas perdu de stock. Hein. Eh non, sans perte de stock. Sans perte de pas de stock de manche. 2-0, 3-0, 3-0. Pingo est le vainqueur du coup de ce Netra Arena numéro 5. Et ben, j'espère que ça va pour vous. J'espère que ça a été pour vous, que vous êtes bien amusé. Fin du tournoi. Et ben, GG mon Pingo. Merci beaucoup. Mais t'as enfin, c'est Babou qui a gagné. C'est Babou qui a gagné, Pat. Te faire foutre. Tu m'énerves. mais c'est quoi, non, c'est quoi ce putain de... Cette victoire à Babou pour son charisme. Mais c'est quoi ce inkling des enfers que t'as sorti? Je savais pas que tu le maniais aussi bien. Ben, c'était un des persos que j'avais joué au début d'Ultimate avec Ness et Wii Fit. Mais je l'ai un peu trop délaissé parce que, je sais pas, j'avais plus de main inkling comme quoi, enfin plus de main inkling à suivre ou d'exemple à suivre. Et vu que le perso souffre beaucoup de match-up, pas d'atalyste, je l'ai mis juste de côté et je m'en sers juste pour m'amuser. Oh, le mec, on dit dans le chat. Apparemment tu dégoûtes, hein, du jeu, j'ai envie de te dire, mon cher Pingo. Mais je suis désolé, pardon. Tease, il est arrivé, il a fait Pingo, c'est le joueur qui dégoûte. C'est genre, Sky a l'air pas du tout mauvais, mais lui, il le défonce, quoi. Enfin, genre, vraiment, t'es pas sympa. Mais... je fais de mon mieux, même Patox, il dit qu'il faut que je défonce les gens. Oui, parce c'est vrai. Sinon, je vais jamais battre. Non, mais c'est vrai, il faut que tu défonces les gens, je te l'accorde. Eh bien, GG à toi, mon cher Pingo. Merci. Encore une fois, vainqueur du Netra Arena. Ça te fait quoi d'avoir fait le doublé comme Apollo? Eh ben, je voudrais remercier ma maman d'avoir mis au monde.
pour que je puisse faire ce doublé. Il m'énerve ce con. Merci la lettre d'avoir accepté dans T'as une idée de mon état la depuis tout à famille. l'heure. Hein. Hein? T'as une idée de mon état depuis tout à l'heure. Hein. Je suis en train de fondre. Je ne comprends pas. Non, mais il faut, parce que je donne beaucoup d'amour à tout le monde, surtout à Pentox, c'est pour ça que Oh, il donne de tant l'amour à d'amour, bah ça fond. Pentox. Il lui casse les couilles alors que Pentox, il est malade. Dinguerie. Mais non! Bien. C'est l'amour qui soigne! Bon, je clôture et je reviens vite fait. Ok! Ah, grand corps malade sur le... Ah oui, c'est vrai que c'est la première fois que tu l'entends, le Pentox tease. Ah, bon bah, effectivement. Tu souhaites faire un slam, Alors, j'en avais une en tête, mais c'est... alors c'est pas vulgaire, mais c'est subtil. Pentox? Ok. Mais non! C'est pas grave. Si, si. Ok, il y a personne qui ressent. Bien, sur ce, nous on va se laisser. Je vous laisse avec le planning du reste de la semaine. Normalement, prochain grand rendez-vous, c'est demain, 21h, pour le Netracube. Je devrais live normalement en après-midi aussi sur la chaîne pour voilà, petit dérush aka écriture du prochain best-of du prochain Netrazap. Je vous remercie à tous. Je vous mets les réseaux sociaux de la Netra pour nous y suivre, bien évidemment. Et puis, je vous mets aussi mes réseaux sociaux, ma chaîne perso, si jamais vous voulez me retrouver, du coup, sur ma chaîne. Bien. Sur ce, est-ce qu'on peut raid quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un à raid? Est-ce qu'on a quelqu'un à raid? Silence, Nunu. Alors, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, je vous propose un Caraclé. Il y a une weekly bordelaise, le delay en plus. Je vous propose d'aller raid Caraclé qui stream la weekly bordelaise. Alors, c'est le delay. Qui stream une weekly bordelaise, le delay. Donc, ce sera toujours du tournoi Smash, si jamais. Sur ce, je vous souhaite à tous de passer une très très bonne soirée. Prenez soin de vous. N'oubliez pas que la santé, c'est important. Matane.